Prends-moi, Mario. Sheldon, où est passé Mario? J'imagine qu'il est exactement là où se dirigent ses renforts. S'il est blessé, je te tiendrai pour responsable, Sheldon. N'exagère pas non plus, hein. Je suis sûr que ton petit poteau d'enfant s'en sortira très bien. Oh, et Rico, je serai toi, je ferai gaffe à ces batteries de missiles. Les batteries de missiles? Sheldon, où est-ce que tu m'envoies, là? Eh, au moins tu pourras pas dire que tu t'ennuies. Tiravello a l'air d'avoir sacrément pris du pain en grippe, on dirait. Ce champ de mine. Tu peux nous sortir de là? Tima a pas trop envie de conduire et moi je préfère tirer. Rico, te voilà. J'ai apporté une petite modification au véhicule. De la nitro. Va retrouver mon contact. Il devrait avoir des infos pour toi sur la super arme près de Corda Dracon. Ah.
Quelqu'un a trouvé ton contact avant nous, Dima. Il est mort. C'est embêtant. Dima ! Hein ? Oh oui ! Et puis c'est triste, bien sûr. Dépêche-toi. Le prochain contact est peut-être ici. C'était trop tard aussi pour celui-là, Dima. Merde! S'ils ont eu celui-là, je suis pas sûr que la suite des événements nous plaise. Je m'en fais pas. Le prochain contact sera bien. Je veux rester sur le bateau. Non, tu viens avec nous. Tu m'avais pas dit que ça ferait autant de monde, Dima. Oui, changement de programme, Annika. C'est plus dangereux qu'on ne pensait. Ouais, je vois ça. Dima, t'as l'intention je de me présenter à ton... Je parle à Dima. Théo. Rico. Moi, c'est Mario, mon frère. Je suis pas ton frère. Je crois que tu as un peu sous-estimé la valeur de tes informations, Dima. Mais pourquoi tu veux énerver Diravelo? Je veux le double. Non. Un quart de plus? Non. Toujours aussi dur. Bordel. Théo! Dima, reste dans la cabine. D'accord. Toi, je vois que t'as beaucoup de flingues. Tu sais t'en servir? Ça s'annonce très intéressant.
Encore une victoire pour Frego et compagnie, hein, Mario? Dima, viens m'aider! Vite! Faut qu'on le fasse rentrer! Oh. Annika, je pourrais le stabiliser à la Rico, je vais te montrer. Bien. On y est bientôt? Presque. Rico, mon frère, je me suis bien débrouillé. T'inquiète, tu vas t'en sortir. J'ai toujours voulu que tu sois fier de moi, Rico. Même quand on était gamin déjà. Merde, si seulement on pouvait bricoler cette bagnole comme avant. Je donnerais tout pour avoir 17 ans et rien à moi foutre. Moi aussi, Mario. Tu te souviens, Rico? Merde. J'ai plus jamais été heureux depuis la nuit du Grand Brasier. C'est là, Rico. Arrête-toi. Attention! Je m'en occupe. Oh, hémorragie interne, gros traumatisme. C'est sûrement fatal. Dima, bosse un peu ton empathie. On peut leur faire confiance? C'est pas vraiment des rebelles, mais on a le même ennemi. T'en fais pas, Théo a vu bien pire. Eh ben, j'espère. Tiens-moi au courant pour Mario. Mario est mal en point. On a besoin de matériel médical. Rends-toi à la planque le plus vite possible. Hé, tu peux avoir un autographe? Ou un tour en parachute? C'est lui, le vrai général. Ouvre les yeux. Alors, comment va Mario? Il se repose. Il a un groupe sanguin unique, mais on manque de matériel, alors je crains que ses chances de survie soient très moyennes. Mmh. Tu sais, on pourrait peut-être t'aider à sauver ton ami. Ok. Annonce ton prix, pirate. Oh, allez, c'est juste un tout petit service. Pourquoi j'ai vraiment l'impression que je vais le regretter? Ok, regarde. Tu vas se blinder? C'est quoi, ces modifications? Les rebelles disent qu'il peut encaisser plusieurs roquettes sans même une égratignure. D'après moi, ils ont modifié les liaisons chimiques du Bavarium pour permettre super, la cohésion merci, de sa matrice merci, énergétique Théo. Dans le matériel. Théo s'emballe pour un rien. La seule chose à savoir, c'est que ce truc vaut un paquet de fric. Ce blindé est indestructible? Va me le voler, on saura. Maintenant, je comprends mieux. Je t'apporte ton blindé. Et toi, tu fais tout ce que tu peux pour Mario. T'es dur en affaires, toi. Envoie les coordonnées.
Tiens bon. Blindé au milieu d'un convoi militaire qui se dirige vers Ponéré. Prends-les par surprise et détourne-le pendant que son bouclier se recharge. Fastoche! Ça reste à prouver. Oh, tu parles. Détourner un super blindé ultra. C'est pas ce que j'appelle dangereux. T'as raison. C'est bien plus que dangereux. T'as même pas idée. T'en es où, Rico? J'approche du convoi. Bien. Le blindé doit être quelque part dans le coin. Oh, et au fait, j'imagine que la trappe ne s'ouvrira pas tant que le bouclier sera activé. Ok, comment je fais pour voler ce truc? Les bobines doivent recycler l'alimentation pour empêcher la soupe. On a volé le blindé au Bavarium. À toutes les unités, récupérez le blindé volé par le rebelle. J'ai le blindé. Envoie-moi les coordonnées. Je fais ça tout de suite. On a un cargo de transport qui t'attend. Il doit y avoir un bouton quelque part pour contrôler le bouclier. Fais juste attention. Les bobines ont besoin de se recharger, alors il s'arrêtera automatiquement. Waouh, y a un tas de boutons là-dedans.
Rico, les infos obtenues grâce au blindé au Bavarium sont fascinantes. J'ai besoin d'aide pour mes recherches. Viens me voir à la planque. Jolie vue. Oui, c'est vraiment magnifique. Suis les gaines des câbles. Ne me dis rien. Ils alimentent les armes de Diravello qui protègent la base. C'est exact. L'IEM au Bavarium a besoin d'énergie et de données. En sectionnant les câbles, tu stopperas son alimentation. Oh. Trouve leur point d'origine et détruis-le. Trop fastoche. On va voir où ça mène. Allez. Tiens, des tuyaux. Continue à suivre les tuyaux. Ces tuyaux vont conduire à un autre centre de contrôle pour super-armes. En toute logique, ça devrait neutraliser les armes IEM qui protègent Cordabracon. On n'a plus de tuyaux, mais revoilà des bateaux. Ils doivent être sous l'eau. Je vais t'ouvrir la porte. Juste une seconde. La porte est ouverte. Continue à suivre les tuyaux. Encore des collègues à toi, Dima ? Bah, parce que tu trouves ça drôle, toi. La porte est verrouillée. Voyons ça. Ah oui. C'est fermé, mais un tunnel fait le tour. Alors, je vais trouver ce tunnel. Je suis pas trop dépaysé. Allez, je me mets au boulot. Oui, tu dois tout détruire. C'est ce que je sais faire de mieux.
dans la base de commandement de Chimaleon. Encore bien joué, Eriko. Oh, une autre sortie. Roi des rebelles. Je veux voir ma mémé. Comment il va, Mario? Oh, il va bien. Eriko, tue-moi, pitié. C'est vraiment un gros bébé. Mais mignon. Ouais, il faut le dire vite. Oh, Eriko, très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait là, Zino? Ah, pour son QI, il raconte qu'il aurait aidé à militariser le Bavarium avant de déserter. Des diagnostics fascinants. Du bavarium injecté directement dans le blindage. Une résistance totale aux balles traditionnelles, aux explosions, aux flammes. Ok, bon. Des blindés invincibles, quelle est la bonne nouvelle? On ne sait pas encore comment désactiver le bouclier. En quoi c'est une bonne nouvelle? Eh bien, on sait que la plupart des pièces de ce blindé sont fabriquées dans une raffinerie proche. Ok, Dima, allons voir ça de plus près. Oh non, 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 trop dangereux! Théo peut pirater tout ça. Oh, non, 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 Théo va réparer ce blindé et ensuite on le revendra. Avec à la fois la maladie et l'antidote, on gagnerait bien plus. Oh, tu pourrais mettre au point une nouvelle arme. Bon, alors, d'accord. On part ensemble pour un pillage express. Ok. Nous, on fait diversion, toi t'élimines les renforts et tous les trois, on attaque la raffinerie. Un très bon plan. Non, 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 on le touche pas. Ah. À plus, bande de tarés. Quand il sera, tu verras qu'on t'a laissé un petit cadeau. On va faire une sorte de diversion subtile. T'auras juste à descendre les soldats qui y répondront. Tu piges? Eriko, ça te dirait pas de raconter un peu ce qui se passe à ton vieux pote Sheldon? T'as l'air de rendre pas mal de gens nerveux en ce moment. Sheldon, qu'est-ce que tu peux me dire sur les super blindés de Di Ravello? Je peux te dire des trucs, c'est vrai. D'où tu crois qu'ils sortent, ces blindés? De l'antenne de l'agence du quartier. Bien sûr. D'ailleurs, la main noire a payé une sacrée blinde pour ça. Et c'est quoi, la main noire? Un groupe de mercenaires qui bossent pour Di Ravello. Des gros types avec des grosses voix. Des blindés ou Bavarium. Enfin, tu vois le genre. Je t'explique. La main noire a signé un accord avec Di Ravello, en plus de rafler une partie de la mise du Bavarium. Eh oui, là, mon pote, on navigue en eau très trouble.
Rico, comment ça se passe? Je suis là. On approche. La diversion devrait les faire sortir d'ici... tout de suite.